Walid a des doutes sur l'arrivée de Lucas Hernandez au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucas Hernandez, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était on est parti. Alors les gars, Lucas Hernandez au PSG. Franchement, moi je suis sceptique. Pourquoi je suis sceptique? Parce que c'est un mec qui se blesse énormément. C'est un mec qui n'a quasiment rien joué la saison passée avec le Bayern de Munich. C'est un mec qui, globalement, depuis son départ de l'Atlético de Madrid pour le Bayern de Munich, il ne joue quasiment jamais, les gars. Il est constamment blessé. Du coup, donc, est-ce que vous pensez qu'il va rebondir au PSG? Moi, je pense que c'est un mec qui est cuit. C'est un mec qui est cuit. Donc, pour moi, il doit prendre sa retraite internationale parce que je ne vois même pas Lucas Hernandez jouer les 40% des matchs du PSG, gars. Je ne parle même pas de 50%, je parle seulement de 40%. Pour moi, ce mec est cuit, il est carbonisé. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es fier de voir Lucas Hernandez au PSG? Donne-moi ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.